Salut amis gamers, amis gameuses, ici Emulac pour Act Factory. Alors aujourd'hui on se trouve sur PC avec le jeu Planet Coaster. Donc les gens qui ont déjà joué à Theme Park World ou Roller Coaster Tycoon 3 connaissent le genre. Donc c'est en fait une simulation gestion de parc d'attractions. Donc au début vous créez votre parc et vous faites de la gestion, donc vous créez d'autres attractions, enfin bref vous le faites évoluer. Donc c'est un jeu qui est sorti le 17 novembre sur PC. Donc je l'ai acheté sur Steam. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Donc déjà on va le découvrir ensemble parce que je n'y ai pas encore joué. Juste fait mon avatar et fait des tests graphiques. Et on va ensuite faire le mode carrière ensemble, donc une sorte de mode campagne si vous voulez. Qui dispose pour l'instant de 4 campagnes visiblement. Et donc j'espère que ça va vous plaire. On va apprendre à jouer ensemble et à se développer ensemble. Donc là un joli planisphère pour montrer à peu près où on va. Est-ce qu'on va faire nos parcs d'attraction? Donc, si vous voulez situer un peu... alors déjà, ça va être une vidéo qui va être longue, je pense, à peu près 30 minutes. Et les autres vidéos ensuite qui feront, si vous voulez, les épisodes du mode campagne seront un peu plus courtes, je pense, entre 20 et 25 minutes. Enfin, ça dépendra du temps que ça prend pour bien avancer. On verra ensemble. Alors, je vais faire un point sur la chaîne avant de commencer. Donc je rappelle qu'il y a quelques séries en cours de vidéos qui me tiennent à cœur, donc Tropico 4 que je vais reprendre. Donc voilà, je vais absolument le finir avec vous, donc c'est pour ça que je le lâche pas. Même si ça fait pas énormément de vues, je prends du plaisir et c'est le principal. Ensuite il y a Age of Empires 2, HD Edition, donc la campagne de Jeanne d'Arc en difficile, vous inquiétez pas, c'est toujours dans les tuyaux. Il y a Game of Thrones, donc sur PlayStation 4. Donc ça c'est vraiment les séries que je fais actuellement. Il vient bientôt, il va avoir aussi maintenant Planet Coaster. Et donc voilà, ça c'est des séries qui vont être assez régulièrement sur la chaîne. Alors là je suis en plein déménagement, c'est pour ça que je sors pas énormément de vidéos. Mais après ce déménagement, normalement ça devrait plutôt bien fonctionner. D'ailleurs on vous prépare pas mal de projets avec des potes à moi de la team. Donc surtout sur FIFA, pas que, des let's play narratifs. Des projets qui nous tiennent à cœur, donc restez connectés. Donc voilà, c'était une petite mise au point, j'en ferai une meilleure, plus officielle, dans pas trop longtemps j'espère, quand je serai dans ma nouvelle maison. Donc on va commencer par Trésor enfoui du Capitaine Tétanos. Donc c'est bien, parce que c'est, j'allais dire, un hommage à Team Hospital, je pense pas, ou même aux maladies, mais je pense pas, ce serait un peu con. Donc voilà, c'est un peu pas loin de Madagascar, en plein milieu de l'océan Indien. Donc écoutez, on va commencer avec ça. Donc il y a 3 niveaux disponibles. Je vous avoue que je sais vraiment pas jouer. Merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Allez, bataille de pirates. Bienvenue à bord de Planet Coaster. Vous savez, prenez la barre de ce parc d'attractions qui met la piraterie à l'honneur pour achever son développement. Attirer les fouilles et veiller à ce que tous les visiteurs vivent une aventure mémorable et explosive. Aussi mémorable qu'explosif, ok. Donc, on va commencer, on va lancer. Alors pendant que je faisais les tests graphiques, j'ai eu du mal un peu avec le déplacement de la souris, surtout que le micro m'empêche de bien accéder à mon clavier, donc j'espère que ça va être pas trop problématique. J'espère qu'en ultra... Alors j'espère qu'en ultra ça va pas être trop la galère. Parce que je sais pas si c'est bien optimisé ou pas. Sinon au pire des cas je ferai... A mon avis mon ordi a du mal. Pour que le temps de chargement dure autant de temps. Bon après c'est sûr que le jeu est sorti il y a pas très longtemps. Bah il y a un jour. Je prends la vidéo le 18 novembre, je pense qu'elle sera en ligne la semaine d'après. Donc ça c'est ce que j'ai lu juste avant de lancer la mission. Donc les objectifs. Alors je vais faire une pause. Voilà. Les objectifs. Ok alors attendez parce qu'il commence déjà à me mettre des trucs. Donc les objectifs, voilà, de bataille de pirates. Alors l'étoile facile, donc ça se fait en étoile un peu comme les jeux de smartphone. Donc attirer 800 visiteurs. Donc là le parc a l'air d'être vachement développé donc ça devrait pas être trop compliqué je pense. Construire deux attractions, donc il y en a déjà
Une. Ah oui, d'accord, donc bon, les objectifs sont déjà presque faits, hein, en tout cas pour le facile. Ensuite, en moyen, attirer 900 visiteurs, avoir 4 attractions. Et ensuite, en difficile, attirer 1100 visiteurs et amasser 15 000 euros. Dollars, pardon. Ou alors c'est 15 millions. Non, c'est 15 000 dollars. Alors, je ne sais pas s'il y a une durée de d'une durée dans le dans la mission, j'en ai aucune idée. En tout cas, les objectifs ont l'air d'être assez. D'accord, ça c'est des objets verrouillés. Ont l'air d'être assez simples, je pense. Enfin, après, je connais pas trop le jeu. Donc ça, c'est les commandes. Je vais essayer de les lire parce que sinon, on va. Donc la caméra, ouais, c'est ce que je disais. C'est un peu la merde. La molette, on est d'accord. D'accord, c'est vraiment un parc au beau milieu de. C'est un truc un peu panoramique, voilà. Ça a de la gueule quand même, ça a de la gueule. Ok. Alors je vois vite fait la notif. Les visiteurs pensent que le temps d'attente pour The IC est très long. Donc IC, c'est ce magnifique, c'est magnifique, enfin cette montagne russe, enfin ces montagnes russes, pardon. Alors je vais essayer de prendre connaissance du parc avant de m'aventurer. C'est magnifique, il y a une sorte de bataille de pirates, je trouve ça magnifiquement bien fait. Ok, alors. Ouvert, ok. Fermé, tester. Ah, on peut tester. Ça, c'est l'aperçu. Alors, vous voyez, la pensée des visiteurs est quand même assez. Assez négative. Enfin. Il y a autant de satisfaits qu'insatisfaits. Alors je sais pas comment on peut optimiser la file d'attente. D'accord. On va peut-être dû jouer avant de avant de lancer une vidéo. Parce que là, je vous avoue que j'y vais un peu au tâtonnement. Donc c'est pour ça que la vidéo va durer longtemps, vous m'excuserez. Alors est-ce que je peux la tester? Parce que j'ai vu que je pouvais tester. Comment c'est le test? Ok, bon. Merde. Alors je sais pas s'il était ouvert. Non, alors je vais mettre ouvert. Finance. Prix du billet 20$. Bon, on va laisser comme ça. Coût mensuel 1345$. Ok. Non, ça, pour le prix du billet, on verra après. On peut même changer les couleurs des wagons. Ah ouais, alors. Je me demande si ma carte graphique est vraiment optimisée. Ouh là là là, je suis en train de me. Ma carte graphique a un peu de mal. Alors attendez, ce que je vais faire. Paramètres, on va peut-être pas mettre ultra. Ouais, j'ai une carte graphique qui commence à dater. Voilà, alors j'espère que ça sera un peu mieux déjà. Ah oui, c'est largement plus fluide. Hein. Alors, bon, déjà c'est de ça de gagner. Alors, on était sur ça. On peut changer la musique. On peut apporter notre propre musique. Où est-ce qu'est l'entrée, où est-ce qu'est la sortie? Donc l'entrée elle est là, et la sortie, elle est là. Donc ça va, c'est assez bien foutu. Je pense que l'entrée et la sortie sont peut-être trop proches, mais bon pour l'instant on va laisser comme ça. Wagonnet par train. Nombre de trains 2. On va essayer de. Ouh là là. Putain,
Putain, je suis vraiment un noob. Mon dieu. Désactiver pour l'instant, parce que je vous avoue que... que je peux pas l'essayer. Je sais pas si j'ai pas fait c'est un peu minable ce que je suis en train de faire là. Ok. Bon. On va voir déjà si ça... Ça permet de... J'ai bien envie de les tester. Est-ce que je peux bouger? Je peux bouger la caméra, je crois. Ah si. Alors, attendez, j'irai après. C'est vraiment énorme, il y a des soldats. Alors, les soldats ressemblent, si vous voulez, aux soldats qui de l'Empire britannique. On va voir comment, à quoi ça ressemble tout ça. Ils sont en train de se faire la guerre ici. Alors, j'ai combien d'argent? Je sais pas combien j'ai d'argent. C'est faire une bataille, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Bon, on va voir la queue où ça en est. Ça va, ça a l'air d'aller. Là, il y a un petit parc d'attraction aussi, je sais pas ce que c'est. Commotion in the Ocean. Oh, que t'as pu... Ah oui, effectivement. Elle est peut-être un peu longue aussi, la file d'attente. Ouais, c'est comme ça. Alors, je vais faire pause. Je suis vraiment... alors, je tâtonne. Ah, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour que je m'entraîne. Je pense que je ferai une partie... parce que là, c'était vraiment pour découvrir avec vous. Je pense que je ferai une partie à côté. Ne serait-ce pour... une partie bac à sable, ne serait-ce pour apprendre un peu les trucs. Parce que sinon, si on arrive comme ça, à mon avis, on va prendre 10 ans. J'aimerais bien tester la... Le parc d'attraction, il faudrait que je le fasse. Alors, est-ce qu'on peut voir... voilà, gestion du parc. J'aimerais bien faire gestion du parc. Ok. J'ai un manège, une montagne russe. D'accord. Excusez-moi. Est-ce que je peux voir... Ah, recherche, c'est pas mal. Annulateur, Captain. Ok. D'accord. Là, je viens de... Alors, je sais pas si je viens de le recruter ou pas, ou s'il était déjà... Je l'ai désélectionné. Donc ça, c'est les magasins. Vraiment, je m'excuse, hein. Je prends connaissance du jeu. Alors si vous voulez apprendre des trucs, ne restez pas là. D'accord, donc là il y a trop de files d'attente. Il va falloir que je fasse des constructions, je pense, pour que ce soit... qu'il y ait plus de choix. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix et c'est peut-être pour ça que...
Est-ce qu'on peut passer par là? Entrée du parc. Ok. L'entrée originale. Ça, y a pas à dire. Bon, la caméra est assez bien foutue. Le parc est magnifique. Franchement, j'aurais pas pu faire ça moi-même. Donc là, alors ils passent par là, les nouveaux arrivants. Ils passent ici, ils voient un peu le spectacle. Et là, ils arrivent directement là. Ok. Une fois qu'ils arrivent là, ils peuvent passer en dessous. Ok, donc là, c'est l'avenue. Il y a un truc à faire ici. Ok. Alors, je prends connaissance. Je pense que c'est primordial. Ce qu'on va pouvoir faire, je pense, c'est déjà créer des boutiques. Alors, faut que je localise un peu ce que c'est, à quoi correspond ça. Alors, attendez. Je vais voir si c'est des objets qu'ils ajoutent. Ah ouais, c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup de détails, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ça, c'est un bâtiment de quoi? Cap'n Beef. Ah, tant qu'à faire, on peut mettre des extras. On va faire un 13, celui-là. Donc ça, c'est un Cap'n Beef. Alors, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir la liste, si vous voulez, des... mes plans. Je pense que j'ai rien, bien sûr. Ok. Pour l'instant, les allées, on va pas dire que c'est. Moi, je vais vraiment faire un truc pirate, hein, y a pas de souci. Ah, voilà, c'est là. Donc, ça, je les ai trouvés. Donc, l'ATM, c'est quelque chose. C'est pour retirer son argent, j'ai l'impression. C'est bon à savoir. Donc ils peuvent retirer leur argent là. Ce que je vais faire déjà, je vais mettre un ATM. Franchement, excusez-moi, mais c'est énorme. C'est vraiment très beau. Bon. Nourriture, il a déjà eu le... Ok. Ah non, c'était peut-être pas un... Ok, donc j'ai vraiment pas beaucoup de... Peut-être pas personnalisé. Parce que là, j'ai l'impression que l'autre là-bas, c'est quand même personnalisé. Que ce soit juste celui-ci. Oui, effectivement. Donc ce qui m'embête un peu, c'est la boisson. Je peux pas lancer énormément de recherches. Là, j'espère que ça va pas me mettre dans le rouge parce que je vous avoue que là j'envoie des recherches mais bon, on va remettre une boutique. Plutôt mettre des toilettes, voyez.
Très belle toilette. Alors, est-ce que je peux pas les placer autre part? Est-ce que déjà ils peuvent monter ici eux? Attendez, je suis vrai. Oh mon dieu. Qui peuvent monter ici? Faites voir c'est qui ce mec. Vigipirate. Pour ceux qui se demanderaient d'où ça vient. J'ai pas l'impression qu'ils aient accès à cette partie-là du parc d'attraction. Bon. Écoute, on va mettre les toilettes ici. Alors, j'essaie de pas me louper. Oh mon dieu, oh je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Oh, c'est la misère. Ok. On va y arriver, vous inquiétez pas. Enfin, je vais y arriver parce que vous êtes tranquille, mais... Excusez-moi, je suis vraiment... Est-ce que c'est dans cette merde? Ouais, j'ai l'impression. Nickel, bon, on a installé des toilettes. C'est dommage que ça se construise direct. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Ça m'embête un peu que ce soit une hutte. Ah non, bah magnifique, si non, c'est fait, c'est pour les pirates. Alors ça... Faudrait que ce soit vers là-bas. Alors tout peut être rentré sur Terre. Alors attendez, parce que là... Voilà, on va se tourner, hop. Alors, faut surtout pas que j'appuie sur X, sinon ça fait des déplacements complexes. Et j'ai vraiment pas besoin de ça. Alors, j'aimerais juste faire un tour pour voir. En fait, j'ai pas trop envie que ça dénature. Vous voyez que ça, ici ça pourrait faire le bateau qui s'est... Attendez, on va voir à quoi ça ressemble. Ça me semble pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon écoutez, on va laisser comme ça pour les boutiques et services. Faites voir les bâtiments un peu que j'ai à ma disposition. 30 tours d'horloge, bon, c'est pas le top. Ok. C'est bon à savoir. Les attractions. Bon, celui-là, je l'ai déjà fait. Je sais pas combien j'ai d'argent. Prendre un truc qui est pas trop cher. Ça fait pas très... C'est pas très pirate comme... Ah, y a un bruit qui est depuis tout à l'heure, je sais pas si c'est pas une alerte.
Ah, ça c'est la honte. Si je remets un truc comme ça va être la honte. Écoutez, je vais mettre le voile blue. Alors je sais pas. Alors est-ce que c'est en bas à gauche l'argent dont je dispose? On va voir de toute façon. Ah d'accord, le bruit que ça fait c'est quand je peux pas le mettre, ok. Alors on va le déplacer. Effectivement, c'est l'argent de style je pose. Alors, d'accord. Non, qu'est-ce que tu me fais là? Ok, alors, voilà. Je vais peut-être pas prendre. Non, ça fait pas bien comme ça. Ok, normalement ça devrait être bon. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, qu'est-ce que je fais? Aïe 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 aïe. Oh, je galère, j'aurais dû m'entraîner. Écoute, lâche-moi la grappe, voilà, merci. Voilà. Pourquoi ce sera pas valide? D'accord, ok. Ok. J'aurais peut-être dû le mettre un peu moins loin parce que là, c'est vrai que ça fait... Alors quoi effet ma file d'attente en bois? Effectivement ça serait top le bois mais je le trouve pas. Alors est-ce que c'est le bois résistant? Ouais, la prochaine fois je suis une allée un peu plus... Alors attendez, est-ce que je vais le faire mieux que ça parce que là ça pue du cul. On va d'abord faire une allée. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Ouh, misère, misère. Ok, ouh, on va y arriver, hein, je vous assure, on va y arriver. Le problème, c'est que là, ça a pas de fois pareil.
Mais j'ai même pas l'allée qu'ils ont fait là, je crois. Ah, si, c'est ça. Non, je suis en train de faire une connerie. Je suis en train de faire une grosse connerie. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de dilapider. Non plus. Si, je crois que c'est bon. Si, si, c'est bon. D'accord, ils ont pas du tout utilisé la même allée que moi. C'est pas avoir utilisé que du bois. Et là. Oh, y a. Ok, alors faites voir un truc. Là, ça semble être une allée toute simple. Ok. C'est absolument dégueulasse. Oh mon dieu! Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec, c'est pas possible. Ah, c'est parce que j'aime faire les choses bien. Pour ça aussi. Voilà. Oh, c'est absolument dégueulasse. Bon. Ouais, on va laisser comme ça. J'espère que c'est pas la même musique que là. Si, bon. Ça c'est bon. Je peux mettre la même musique partout. Ah, c'est un peu la misère. On va essayer comme ça parce que là ça avance pas. Ouh! Il a l'air content le mec. Ah ouais, ça c'est du. C'est vraiment magnifique, hein. Putain, ils sont gavés. Ok, bon. Voilà, nickel. Alors, pourquoi ça? Ah, d'accord, effectivement, ça fait un peu... C'est encore un peu long. D'accord.
va rester comme ça, on va essayer de voir si c'est ça peut faire la diff. Voilà, on va essayer de rester dans le... D'accord, c'est des sortes d'avions. Absolument rien à voir avec la le parc d'attractions, quoi. Mon dieu, quelle honte. Bon, alors je vais voir comment ça... On gagne du fric. On gagne du fric, c'est très bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Les gens vont aux toilettes. Ça, est-ce que c'est rentable? Alors, pour l'instant, ça, je pense que ça va être rentable. Là aussi. On va peut-être faire plus de boutiques après. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi ils disent ça. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là parce que j'ai perdu beaucoup de temps à comprendre un peu le jeu. Je pense que la deuxième vidéo, ce sera un peu pareil, mais n'hésitez pas à faire vos, à mettre vos commentaires pour que je puisse avancer. Je sais qu'au début, c'est un peu, je tâtonne de partout, mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à donner votre avis, vos astuces, à la partager, puis pourquoi pas, si vous voulez suivre un peu mon aventure, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois. D'ici là, ne rachetez pas et soyez bonjour. Allez, ciao tout le monde.